D'accord, le deuxième épisode a un peu buggé, hein, je sais pas, ça. Il attend peut-être qu'on puisse dire au revoir et tout ça. Enfin, les. Oui, faudrait que je mange, hein. Je suis sûr que dans les commas. Non, je vais manger les côtelettes. Pour l'instant, personne. Faut que je le remette parce que faut que je refasse une. Je pioche. Oui, parce que. Va s'en faire même deux. Pour l'instant, je roule pas sur le fer, donc. Je vais éviter de. Ouais, je sais, en niquant la pioche comme ça le fait pas. Et on va essayer de descendre pour ce deuxième épisode vraiment au plus profond de la Terre. Je vais récupérer un peu de ça. Merde, j'y pense. Va falloir que je m'aventure dehors vite fait. J'ai oublié le seau d'eau. Ah ouais, mais non. Je suis descendu tellement bien. Je suis descendu tellement bien dans la crevasse que l'eau m'est pratiquement inaccessible. Bon, bah pas grave. Savez quoi? De toute façon, voilà, on perd ça. Allez, un dernier. Et là, on descend au plus profond et on verra ce qui advienne que pourra. Bah, il y a de l'eau. J'arrêtais plus attentif. Je l'aurais entendu. Alors là, c'est vraiment le danger à tous les coins. La lave là-bas. Sais pas ce qu'il va faire avec 4 cuirs de lapin, mais. Ouais, j'aurais besoin de l'eau pour faire de l'obsidienne. Mais bien sûr que le Nether, c'est juste après, c'est toi qui choisis d'y aller ou pas. Hein. Des fois, moi, j'y vais jamais à chaque fois. J'ai pas vraiment l'occasion. Pour plus, il y a des risques quand même de se faire dégommer la gueule. Là-bas, rapidement. Que ça soit aussi bien. Les joueurs. Que. Je crois que je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul ici. Je dis ça parce que le truc est tombé donc Ah oui, là je suis clairement pas tout seul, hein. Salut Creeper. Ne pas mourir d'un Creeper. Non mais sérieux?
Ouais, je connais à peu près les nombres de coups qu'il leur faut. Donc je suis plutôt avantagé. Quand tu sais ça, faut à peu près deux, il faut trois coups pour les tuer avec une épée en fer. Alors, je vais avoir peut-être assez de fer pour arriver à quelque chose. Alors, le centre a l'air par là. Donc oui, je commence à descendre. Je sais qu'il ferait plutôt sombre sur la vidéo, ça va être dégueulasse. Alors là, je vais avoir de quoi faire avec tout ça. Parce que on va commencer par s'enterrer. Et pas, du moins pas très bas, parce que j'y suis déjà. Mais on doit aller en couche 11, grosso modo. Parce que je vais direct vers le... Casser vite fait ici et on va économiser le charbon en faisant ça et je vais peut-être avoir ma première pomme. Alors je vais casser ici pour me faire proposer mon truc et je vais faire tout de suite, un deuxième four, parce que je vais en avoir besoin pour faire cuire le fer qui va me permettre de pouvoir me stuff. Voilà. Une première popom. Oh, j'en bloque. Super terrible chute. Je remonte un peu ma vie. Comme ça au moins. Alors. Voilà. Je vais pouvoir me faire un pantalon pratiquement. Alors. Voilà, j'ai un pantalon qui va me servir. C'est vrai que prendre une pomme comme ça, il fallait que je remonte un peu ma vie. Alors, je peux me faire des bottines qui vont me servir. Hop. Par contre, je vais me faire une poubelle pour tout virer. Ça va être poubelle. Ça va être poubelle. Ça va être poubelle. Ça va me servir à rien. Donc ça, je le repositionne. La viande, je la mets ici. La canne à sucre va me servir à rien. J'ai un bouquin. Le cuir va me servir à rien. J'ai le bouquin qu'il faut. Ça, je vais le mettre là parce que la pierre, ça peut toujours servir. Et mon inventaire.
Ready. Je vais me faire une épée en fer. C'est déjà mieux qu'une épée en pierre. Alors ça, poubelle. Pour l'instant, j'ai un peu de fer. Je vais niquer mes pioches en pierre et après je me ferai une pioche en fer. Allez, on détruit ça. On va avancer en direction du centre. Parce que c'est pour... Moi je fais comme ça en fait, je fais une ligne droite, hein, c'est pas interdit. Hein. C'est qu'il y a, je crois qu'il y a que le minage optimisé qui est interdit dans ce genre de mode. Moi je vais comme ça, en espérant trouver du diams ou du fer, pas du fer, de l'or. Et aussi du lapis-lazuli. Ah ça y est, le mec est content, il a trouvé du diams. Alors désolé si des fois c'est très sombre, parce que j'avance aussi rapidement que je peux. J'ai déjà du lapis. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est tout? Ok. Ah, quand même, deuxième épisode, plutôt tranquille. Je me rapproche au fur et à mesure. En fait, je me rapproche du son pour pouvoir justement plus facilement déjà partir en ligne droite, hein. Et puis arriver plus facilement. J'ai cru voir un pseudo. Bon, vas-y, on casse ça comme ça. Osef, hein. Même pas un peu de silex? Si, je crois que j'en ai chopé deux. Bon, je suis équipé pour l'instant. Léger. Pas d'enchante. J'aime bien le chat, ça doit alimenter... Ça doit alimenter votre vidéo. C'est en plus de mon commentaire. Hein. C'est vrai que je parle, mais pas forcément. Alors c'est vrai que là j'ai un record qui dure une trentaine de minutes. C'est vrai qu'ils ont fait l'espace entre les épisodes justement, je crois pour. Oh. Oh merde. Putain, il y a un mec. J'ai une embuscade. Ça pue l'embuscade, ça. Il a laissé du fer. Oh putain. Va falloir que je me tire rapidement, moi. J'entends pas de bruit. On va se tirer par là. Genre par là. Parce qu'on va éviter vraiment de le fight tout de suite. Parce qu'il y a des mecs qui peuvent être plus avantagés que moi. Tactiquement.
Je vois jusqu'à où je peux aller. On va partir par là. Le gravier, c'est mon ami à force. J'espère que je vais pas être dans la merde. Ça m'est arrivé une fois que j'avais un mec qui suivait dans mon tunnel. J'aurais pu récupérer du fer, mais bon. J'ai préféré pas m'étendre dans la zone. Des fois, en tombant sur des filons de fer comme ça, on peut tomber sur du diams. Mais bon, je serais vraiment mad, hein. C'est là. Parce que là, c'est quand même. Et putain, ça m'est pratiquement jamais arrivé de tomber comme ça sur déjà sur une galerie comme ça. Je pourrais en refaire une. Faut un peu d'XP. Hein. J'écoute en même temps. Enfin, je regarde aux alentours. Du lapis. Nickel. C'est ce qu'il faut pour enchanter. Putain, j'ai peur du traquenard. On va organiser un peu son inventaire. Mettre peut-être Lola comme ça à proximité. Bon, j'ai pas d'arc, hein. Parce que j'ai pas vu d'araignée. Je tombe sur un morceau de mineshaft, peut-être que je l'explorerai pas. Je récupère un peu d'XP avec ça. Ah oui, la panique, hein. C'est tellement la panique que je vais faire ça. C'est vrai que... Forcément, on pioche en voulant miner vers le centre, on va tomber forcément sur du monde parce que. C'est une zone, mais pas si vaste que ça. J'entends la lave bien à côté de moi. Ça, je m'en. Royalement que ça tombe dans la lave. Osef. Je vais éviter de tomber dans la lave en faisant ceci. Surtout s'il y a quelqu'un qui me suit. Peu, hein. Je suis pas un sneaky. Je pourrais être un sneaky.
Peut-être miné en sneaky. Et c'est la fin du deuxième épisode, hein. J'espère qu'il vous aura plu, même si c'était plutôt calme. N'hésitez pas à le faire savoir et on se retrouve pour le troisième épisode. Et oui, j'aurais duré au moins trois épisodes. Allez, ciao.